Hey yo les potes, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des geeks. Alors, euh, moi je comprends pas trop parce que euh, je connaissais pas trop le. Euh je ne connaissais pas trop l'existence de cet événement. Et euh, sur euh, Twitter, euh, c'est en top tendance depuis, euh, bah, depuis ce matin. Journée mondiale des geeks, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc je me suis dit, je vais chercher un petit peu sur Google. Ça me paraissait extrêmement ridicule. J'avais une autre vidéo prévue pour aujourd'hui, mais je me suis dit, euh, c'est un truc euh, totalement improbable. Et euh, je ne connaissais pas du tout euh, la signification de cet événement. Donc j'ai cherché un petit peu sur Google. Apparemment, ce serait euh, un événement sans revendication ni message un événement humoristique totalement inutile qui ne sert à rien qui a été créé euh, pour la première projection de star wars enfin, à la date de la première projection de star wars en 1977 et c'est également la journée mondiale de la serviette donc, ça c'est plutôt cool la serviette, n'hésitez hein, pas. Et c'est également la Sainte Sophie. Donc, si vous vous appelez Sophie, euh, on vous salue évidemment. Euh, j'ai pas trop compris l'occasion de cet événement-là. Donc, je me suis dit, ça doit sûrement être le jour de chance des geeks. Donc, on va faire une petite partie en Aviana pour fêter ça. Et, euh, et voilà, vous allez me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de cette journée-là. Je, euh, je connaissais pas trop ça. Et j'ai trouvé ça tellement marrant et tellement ridicule à la fois que, euh, que je me suis dit, bon, pourquoi pas. Au final. Euh, il y a tellement de journées comme ça, euh, on va dire mondiales entre guillemets, qui servent à rien. Je vais checker un petit peu les top tweets. Qu'est-ce que c'est les top tweets euh, euh, Qu'est-ce que c'est les, oh, les, nice. qu -ce que que les top tweets Oh, la contre garoche nice Qu'est-ce que c'est les top tweets de cette. Euh, les top tendances Alors, on tweetait 797 fois. Ok, c'est des jeux concours, très très bien. LDLC, très bien. Studio Bagel, de quoi, de quoi vous régalez Ok, ok. C'est dommage, si j'avais su avant, j'aurais fait une vidéo vachement fun pour cette journée-là, mais euh, j'ai pas trop compris ce que c'était. Oh, nice c'est quoi Ah, oh, c'est The Big Bang Theory Oh putain, la classe Quelle classe, quelle classe Warcraft FR, aujourd'hui c'est la journée mondiale des geeks qui la célébrera en allant voir le film. C'est vrai qu'il y a le film Warcraft, ça on va en parler aussi dans une prochaine vidéo, ça c'est cool. Et, euh... et ok, donc du coup, euh, la journée nationale des geeks. <laughs> la journée nationale des geeks, donc en gros c'est juste une journée euh, totalement inutile où on prend des photos euh, de fesses des filles et... Euh... Et où on fait des jeux concours pour gagner un maximum d'argent et de followers. Superbe, ça fait plaisir. Allez, on est où On a la commune astral, nice On va regarder la commune astral, on va chercher une petite innervation ou une petite croissance sauvage, pas du tout. Et on est contre un guerrier qui est probablement un guerrier contrôle parce que le guerrier agro c'est pas très à la mode. D'ailleurs, il y a quelques guerriers agro qui tournent en ce moment la version de Chucky euh, sur le ladder qui est euh, fort sympathique, euh, dont je ferai probablement une vidéo bientôt. Elle est euh, assez efficace. Oula, il a sérieusement. Elle va bah, pièce sur l'écran. Ah, pièce à vrai Ça veut dire qu'il a deux tours 2 dans la main. Ce qui est euh, vraiment pas mal pour lui. Je vais pas taper parce que les versions un petit peu. Euh, comment s'appelle Les versions un petit peu euh, tempo du warrior à l'heure actuelle joue euh, joue comment ça s'appelle euh, Rage du combat. Donc ça sert absolument à rien de l'endommager. Serait bien qu'il fasse juste armor up ici. Juste armor up, Donc il a juste claqué la pièce inutilement ici. C'est dommage qu'on ait beaucoup de légendaires comme ça. ça serait bien d'avoir une innervation encore maintenant. Allez, 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 allez Ah, croissance sauvage, ça ne sert absolument à rien. On va croissance sauvage quand même au cas où on chopperait idol corbeau au prochain tour. C'est bien au moins on défaussera pas une, on défaussera une légendaire en moins. Et, euh, et on verra un petit peu. Si je chope nourrir, je ferai plutôt le nourrir. C'est dommage, c'est vraiment dommage de, de rien avoir chopé avec j'aurais dû garder le nourrir. Putain, j'ai tellement grid. J'ai tellement grid. Allez en deux, j'essaie de monter en 1 pour passer les gens d'aujourd'hui en stream. Ah très bien, ça c'est cool, mais le problème c'est que si je le joue, ça va prendre toute ma mana. Donc du coup j'aurai pas la mana pour communier astral. Donc on va faire ça et on va taper face. Allez, maintenant c'est le moment de pas top les innervations. De ne plus top les innervations. Keep calm and geek on. Ok, il y a des, euh, il y a des tweets sympathiques quand même. Hein. Je vous invite à, à checker un petit peu sur Twitter euh, les, euh, les <laughs> cette journée internationale des geeks. Ouh, c'est là, c'est, je oh, le je vais le regarder, je vais le, le re sous cet épisode. Il m'a bien manqué l'épisode de South Park sur, euh, sur World of Warcraft. Il est assez classe. Alors, alors geek me mort. Golden Moustache, en gros Honor France. Ah, il y a Honor qui euh, célèbre ça. Il y a vraiment des gens qui disent Joyeuse journée mondiale des geeks. Alors, est-ce que tu dois être content quand on te dit ça Est-ce que tu dois être euh, euh, genre flatté Est-ce que tu dois être, je sais... Bon, je sais pas. Moi, je ne sais plus, les amis. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ok, c'est vrai qu'il est pas d'exact, n'empêche. Alors, pour un point de mana, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut faire hors de bouclier et trade la 4-3. Il peut également exécution. Ou alors, il pourrait sans licor et trade la 4-3 et la 1-4. Ce qui est plutôt pas mal pour lui parce qu'il a pioché deux cartes. Par contre, là, les gars, il faut choper des légendaires. Là, il faudrait choper un petit aile de Je peux petit Isera éventuellement. Un kraken, à se régale évidemment. Un petit kraken qu'on va balancer ici. Et là, il va se prendre une légendaire par tour. Même si on a perdu Isera, l'extraza, etc. On a encore pas mal de, de belles créatures. On a encore un petit Ragnaros, on a elle de mort, on a. Des swings dragon lord de nouvelle de mort, ça va être assez cool. Ah bah non, tourbillon exécution, ça serait pas cool ça. Ça, ce serait pas sympathique ça. ça, ça serait... Ah, battle rage, ok, très bien. Battle rage et l'innervation qui est là, évidemment. aussi attendez, hein. ça, ça, ça arrive tout le temps, c'est pas très grave. Si on chope euh... si euh, à nourrir, ça pourrait être utile. <laughs> Oh ah la la journée mondiale des geeks et plus quoi encore Donc demain ça sera deux vidéos coaching les potes euh, Je voulais euh, faire un petit point là-dessus aussi en profitant de cette vidéo un petit, peu, euh, un petit peu cool pour vous parler Pourquoi elle a pas fait tourbillon d'abord Elle va refaire un jeu de combat pour piocher une seule carte C'est très très triste de sa part Ouh hein. nice Comment il s'appelle Sogot the slighter. Ok 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 nice euh, oh non! Dans ma tête, 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 Ragnaros. Putain, il joue Ragnaros, sérieusement. Dans ma tête, Ragnaros. Dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Nice! Super, tu me régales. Tu me régales pas la deuxième innervation. À croissance sauvage, très très bien. Allez, piochant une carte, recyclant le de deck. Donc là, toutes les cartes inutiles sont passées. Il reste plus que la communion astrale qui est encore inutile. La colère qui est là, on va. On pourrait colère à 1 pour piocher. Mais je sais pas si colère à 3 est pas meilleure ici. On est seulement à 19 HP. Ah, on va pas grid, on va pas grid, les gars, on va faire la colère à 3. Sinon, le Ragnaros il va nous ruiner la partie, il va tuer toutes nos légendaires et on va perdre à cause de ça. C'est vraiment dommage, mais bon, j'aurais aimé colère à 1 ici, hein, j'aurais vraiment adoré. Mais, euh, mais pour peu que je pioche une légendaire qui coûtait 9 ou une légendaire qui coûtait 10, j'aurais pas pu la jouer quoi qu'il arrive. Il faudrait qu'on pioche Yacharage, les gars, Yacharage, ce serait cool. Le seul problème que je vois, c'est qu'il a pas encore joué d'exécution. <laughs> Or, Yacharage, l'avantage c'est qu'il va me ramener forcément au moins une autre légendaire, donc ça va recycler un petit peu euh, là-dedans. Ok. Je pense que ce serait pas le quatrième fait tourbillon qui me joue cette partie. Je crois bien que c'est. Allez, va dans ma tête. Pas la deuxième innervation, please. Ah nourrir Ah superbe ça Allez, on pioche trois cartes, il faudra qu'on chope Aviana. Ah Onyxia qui est là, très bien. Une carte qu'on pourrait jouer quand même. Une carte qu'on peut jouer Ah non pas du tout. Pas donc du coup pas de carte qu'on peut jouer. Très bien. C'est dommage parce que là on va prendre vraiment beaucoup de pression sur ces tours-là du coup. Euh, on va jouer des Dragonlord Dragon lord qui va nous ramener probablement Onyxia. Et, euh, et on aura Yacharage seulement le tour d'après, je pense. Parce qu'en fait, Destruction Dragonlord il va. Non, 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 ça suffit, ça suffit, ça suffit. What the fuck? Oh! Donc du coup, ça fait combien de dégâts ici? Il y a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, donc du coup, Destruction Dragonlord c'est déjà une moins bonne idée, n'est-ce pas? Ah, Ragnaros, est-ce qu'on joue Ragnaros? <laughs> si on joue. Euh, yacharage c'est fort que si ça nous ramène quoi Que si ça nous ramène Ragnaros mais donc du coup on peut, on peut pas le jouer parce que sinon euh, on a perdu donc du coup Ragnaros c'est le seul qui peut nous permettre de survivre ici putain on va pas perdre contre avoir quand même t'as pas de chance allez Ragnaros on compte sur toi tu nous s'il te plaît ce Varian là tu nous ce Varian s'il te plaît Ragnaros ah non le berserker, ok très bien ça fait 7 10 13 14 15 16 17 il a l'étal on s'est fait rouler dessus cette journée n'est absolument pas la journée internationale des geeks c'est de la merde on est très énervé <laughs> Euh, et, donc, et donc tant pis Bon c'est pas très grave C'est pas très très grave euh, J'ai pas mal ruin, j'ai essayé de faire une euh, Une vidéo, j'ai essayé de faire une vidéo Un how to sur le nouveau Aviana Et euh, j'ai un petit peu ruin le ladder, j'ai rendu 1 4 étoiles <laughs> J'ai essayé de faire un passage de genre Dans how to hearstone Aviana Et j'ai full ruin, bon c'est pas très grave euh, Je vais vous mettre la decklist Qui est là, bon vous la connaissez, c'est la nouvelle decklist d'Aviana Elle est pas si dégueulasse, hein. en réalité contre les warriors Bon là c'était vraiment, je pense que j'ai fait une erreur En enlevant le euh, en enlevant le euh, comment ça s'appelle le, le nourrir, mais en réalité c'est le Warrior est largement gagnable, c'est l'un des matchups les, euh, les plus gagnables avec le paladin, etc. Euh, donc voilà, je voulais faire un petit point avec vous là-dessus. Je ne connaissais pas l'existence de cette journée là entre guillemets. J'aurais bien fait une vidéo fun là-dessus. Il y a pas mal de vidéos fun que je, que je suis en train de monter. C'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps de montage. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Euh, demain ça sera probablement du coaching. J'ai lu un petit peu toutes vos demandes dans les commentaires. Vous me dites souvent dans les commentaires ouais les déclistes, etc. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, ça me fera plaisir. Je discute souvent avec vous dans les commentaires. Euh, les déclistes qui vous intéressent, j'ai pas mal de vidéos qui sont prévues là. Euh, ça fait très très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch et sur Youtube. Et ça, ça fait euh, extrêmement plaisir. Donc je vous fais des bisous les potes, c'est euh, bonne... Je vous fais des bisous et je vous souhaite quand même une très très bonne journée internationale des geeks, sauf si vous n'êtes pas un geek évidemment, ce qui est fort probable, auquel cas je vous fais seulement des bisous et je vous souhaite une sainte, une joyeuse Sainte Sophie. Bisous tout le monde.